Je vais tenter de trouver le dit coffre. Ah, bien sûr, je suis encore un message, décidément, c'est harcèlement au milieu.
champignons. Un chemin pour aller en Skyrim. Là non plus. Ça c'était vraiment pas, je suis désolé. Tiens d'ailleurs, je sais plus où est-ce qu'il était. Il était pas si apparent que ça. Il était où ce coffre?
là je te demande que ça devient. Ça devient gnangnang, je fais ça hors antenne. Il y a un fichu coffre. Et dans ce secteur. Tellement ici planté que ça allez, j'avoue que j'en ai marre, je vais aller voir la comtesse, tant pis, je reviendrai ici une autre fois, sûrement hors antenne, on ne saura pas le coup d'enregistrer, j'essaierai de faire la quête des coffres. Ah, j'étais confiant et puis... Bon, j'espère que je vais avoir aucune résistance dans, dans la grotte du retour. Comme un gros malade. Ah, elle va m'entendre, madame la comtesse. Elle va m'entendre. Elle va m'entendre. Tiens, je l'avais pas fait ce coffre. Oh, sympa. Elle va m'entendre, madame la comtesse. Attends.
par là. Ah non. On entend le vent souffler dans la caverne. Oui! Ah merde, il fait nuit noire. J'ai mon chien qui est dans le coin. Ah! Oh, je suis heureux de te retrouver, t'as pas idée comme je suis heureux de te revoir. Ok, alors, on se barre, je sais pas où, mais on se barre. Si vous voulez acheter un cheval, entrez et allez parler à Pétrine. Je ne puis vous aider. D'accord, d'accord, merci, à plus tard. Au revoir. Au revoir, au revoir. D'accord, c'est l'écuyer qui demande une main. Oui, mais je comprends. Alors. Bonjour. Oui, bonjour, bonjour. Je ne cacherai pas que j'en ai ras la casquette. Parce que là, je vais me reposer. Je sais même plus qui est où et quoi comment. Écoute, je vais aller à l'auberge, tant pis, je vais finir ma chambre, ça me changera de la guide des mages. Soir.
Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Allez-y. J'ai entendu Agarde dire que la comtesse cherchait une nouvelle pièce pour sa collection d'artefacts à Caviri. Voilà à quoi servent les dragues du contribuable. C'est un plaisir de parler avec vous. Il s'en étouffe. Bon, un lit, s'il vous plaît. J'ai une chambre, et pas chère en plus. Vous en cherchez une? Oui, je veux bien. Très bien. Montez l'escalier, c'est la première porte sur votre droite. Souvenez-vous, je n'ai pas dit qu'elle était propre. J'ai dit qu'elle n'était pas chère. Je suis content que cette racaille ait eu ce qu'elle méritait. Bon débarras! Eh ouais, il n'y a plus de René Dralas. Ah là là. J'espère vous revoir bientôt. Reposez ça tout de suite, sale crapule! Qu'est-ce qui se passe? Je vous salue. Je suis surpris avec tout ce que j'ai combattu qu'on m'ait pas proposé de monter de niveau. Alors là, franchement, après tout ce que j'ai fait, bonjour. Quel plaisir de vous rencontrer. Tout le plaisir est pour moi. Continuez, je vous prie. Oh, je ne sais plus, rumeur. Apparemment, Bonvent apprend comment manier l'épée aux autres membres de la guilde des guerriers. Ok, merci pour l'info. J'espère vous revoir bientôt. J'ai l'impression que le son sature au niveau du cœur du jeu. J'espère que j'ai pas le bug de la dernière fois, ça sent pas bon cette histoire. Bon, je vais aller voir Madame la Comtesse. Et après, je reviens en ville faire réparer mon armure. Enfin, mon équipement de manière générale. Hop là. Oui. Ah. Bonjour. Bonjour. Arrêtez de me faire peur. J'aime pas regarder. Bah, 8h du petit matin. Ah, je prends petit piège, je prends la place. J'espère que vous apportez de bonnes nouvelles. Et comment? Vous avez récupéré la pierre de folie? Oui. Je n'y avais jamais cru. Enfin, j'avais espéré. Mais réellement la tenir dans mes mains, elle est plus belle que je ne l'imaginais. Félicitations. Je pensais bien que vous seriez à la hauteur de la tâche. Et je crois que je vous dois une récompense. Cet anneau à Caviri se trouvait avec le journal du messager. Il permet à celui qui le porte de bénéficier d'une agilité et d'une résistance à la magie maléfique accrue. On l'appelle l'anneau œil vipère. J'espère qu'il vous aidera dans vos prochains voyages. Merci, madame la comtesse. Y a-t-il des rumeurs? Les pierres du destin sont un véritable mystère. Sont-elles un vestige de l'âge des mythes? Ou encore une création des hommes bêtes d'antan, ou des races perdues d'hommes ou de mers? Je reviendrai pas acheter une maison, peut-être. J'attends de trouver l'acheteur idéal pour une propriété spéciale que je possède. C'est une petite maison au charme vieillot, bien située, à quelques pas de la porte principale. Je préférerais ne discuter de cette propriété qu'avec des acheteurs sérieux. Oui, bon, j'aurai des sous plus tard, j'en reviendrai. Que la chance soit toujours avec vous. Merci. Bienvenue, Milady. Oh là là, ce gentleman. Ah, déchaîné.
Quelles sont les nouvelles ? Les nouvelles sont que je dois filer chez le forgeron. Mon bateau, c'est dans un état lamentable. Ah, je saute de l'escalier. Ça, c'est une auberge, je crois. Ouais. Attends, il est où le forgeron ? Ça, c'est une auberge. Merde ! Il est où le forgeron ? Je sais plus où est le forgeron. Bonjour. Il y a peut-être un forgeron qui acceptera de faire le boulot. Qui c'est qui est forgeron ici ? Non mais on n'y voit rien. Bonjour. Nous cherchons de nouvelles recrues. Ça vous intéresse ? Pas du tout. Pas du tout. Désolé. Au revoir. J'aimerais avoir un forgeron. Youhou ! Oh putain ! Ça s'entraîne violemment ici. Il n'y a pas de forgeron ! Oh. Ah bah merde alors ! Ils ont pas de forgeron ! Oh, soupir de désolation ! Attends, mes copains de la guide des démas, je vais les voir après. Ah oui ! Forgeron ! Oui. Ah, c'est ça qu'il faut. Bonjour. Que puis-je pour vous ? Tout. Répare-moi tout. Je ne peux pas réparer quelque chose. C'est que ce n'est pas cassé. C'est juste que... Voilà. Oui, bah voilà. Ah, je me sens mieux. Siroc est un bon guérisseur. C'est un rouge-garde. Mais on pourrait le prendre pour un nordique à la façon dont il se comporte. Puis-je vous montrer certaines de mes marchandises ? Non. Moi, par contre, oui. Qu'est-ce que je peux te vendre ? Ah, ça pèse lourd malheureusement. Je vais les vendre parce qu'ils pèsent lourd. Ils pèsent lourd. Je fais toujours des bons. Vous avez gagné une belle somme. C'est un plaisir de vous compter parmi mes clients. Oui, merci à toi aussi. Bonjour. Alors, je vais voir mes copains de la guide de démage parce que j'aurais pas mal de choses à leur vendre. Pas elle. Par contre, mes copains en sous-sol. Bonjour. Tout le plaisir est pour moi. Continuez, je vous prie. Tu m'as fait flipper. Qu'est-ce que tu vends ? Faisons affaire. Ah oui. Je vais d'abord te vendre... Qu'est-ce que je peux te vendre ?
Alors ça... Ça c'est cool. Voilà, je t'en mets... Attends. Regain d'intelligence, mais réduction de magie et d'endurance. Ouais, bah autant dire que je peux tout lui vendre, quoi, ou presque. Ou presque. Ah, c'est une pièce à l'unité. Oh, je préfère en faire de la potion, là, pour le coup. Ah oui, je suis déception, là. Ça, oui, je peux tout lui vendre. Au moins, ça me fera de la thune. Et B. Alors, à l'inverse, elle, qu'est-ce qu'elle peut me vendre? Oh là là, ça coûte cher les regains de magie. Non, il faut que j'achète l'ingrédient qui permet de faire le regain de magie. Voilà, ça par exemple. Vous êtes très dur en affaires. Oui. Un regain de magie, je me précipite dessus. Ça va pas loin. Enfin, ça coûte cher, mais je suis prêt à l'acheter. C'est une affaire. Ouais, ouais. Revenez quand vous voudrez. Nikki, des rumeurs ? Les choses sont différentes à la guilde depuis que Traven a été nommé archimage. Elle est plus structurée, mais tout le monde a l'air nerveux. Au revoir. J'espère pouvoir vous être utile. Alors, qu'est-ce que tu vends? Ah. Je suis prêt à enseigner, si vous êtes prêt à apprendre. La guilde des mages fonctionne comme avant, mais elle a perdu pas mal de membres lorsque la nécromancie a été interdite. Oui. À plus, déjà. Adieu. Oui. Tout le plaisir est pour moi. Continuez, je vous prie. J'offre les meilleurs produits de tout Cyrodiil, aux prix les plus compétitifs. Ah, sympa ça. N'hésitez pas à parler de moi à vos connaissances. On dirait que la guilde de Skingrad est incapable de savoir ce que font ses membres. C'est déplorable. Faites toujours en sorte que votre équipement magique soit chargé. Non. Vu le prix, non. Bon, ça, exceptionnellement, je dis... Allez, à plus. Au revoir. Ah, je suis prêt à partir à l'aventure avec ça, mais ce sera au prochain épisode. Ce sera au prochain épisode.
4. Bah, tu vois, qui est en cours, j'en ai plus là. Ah oui, le collectionneur. Le collectionneur, ouais. Faudra que je fasse ça dans la dans mes prochaines aventures. Ah là 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 là. Bah, ce sera plus palpitant les prochains épisodes. Allez, à plus. Salut la compagnie, merci d'avoir regardé. Ah non, ne me dis pas que ça a planté. Ah, ça en a mis du temps, j'ai flippé là. Allez, à plus.